Coucou tout le monde, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce donjon sur la plage. On se rappelle, on avait récupéré ces magnifiques bottes qui nous permettent de nager comme Alain Bernard, j'avais dit. Hop, et du coup, ce sera l'épisode 9 sur ce let's play. Alors, par en haut, il n'y avait plus rien. On va continuer par ici en perdant bien sûr tous nos cœurs. C'est le principe de Alundra. Surprendre pour perdre des cœurs. Pas du tout. J'ai pas regardé si en bas on pouvait y aller. On va voir quand même, dans le doute. Ok, voilà. Le doute est levé. On retourne en haut. Alors, en haut, est-ce que ça... Est-ce qu'il y a encore une utilité à repartir par là? T'en formes ton gueule, toi. Touche ton meurt. Hop, hop. On se rappelle ici, on n'est pas obligé de... Quand on est doué, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bon, je l'ai tellement recommencé de fois en même temps que... C'est mitigé de dire que je suis loué. Ah oui, donc bien. On avait ici. Alors, on va jeter ça là. On s'en fout pour l'instant. On va nager. Donc là, on peut sortir par là. Alors, on a cette chose. Alors, il y a deux choses à faire là. La première, c'est de ressortir. Il faut me fracasser lui. La première c'est de ressortir. Alors pour faire simplement, on va hop, sauter ici. Oh my god. Sauter là. Faire ça. Sauter là. Et sauter là. Ça c'est the first step, man. Ensuite, est-ce qu'on... On va aller là. On va regarder ce qu'il y a par là. Hop, 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 le vomi, hop. En fait, il y a beaucoup de vomisseurs dans nos... Enfin, de vomito. Moi, je te pisse dessus, je te rush. Je perds tous mes cœurs, mais je te rush. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça, tabarnak, là? Place des plaintes comme ça, là? On va voir ce que c'est. Alors, c'est peut-être un ennemi. Non. Quel intérêt y a-t-il? Ah. Bien trouvé, tu aurais pas pu me mettre un coffre avec une herbe, ça aurait été plus simple sinon. On va repartir par là. Alors, si jamais on a encore un truc à franchir, on va repartir en arrière pour cette histoire de... Hop. Où l'on pouvait... Ah ben vous voyez, si ça se trouve, il fallait choper la clé, là, bon là. Ou alors ça se trouve, on va y aller. La clé elle va être ici, on va y aller et on va se retrouver avec une herbe. Ce serait pas déjà arrivé. Alors ici, hop, on a une plateforme avec plein de vomito. On vomit. Ok. Toi je te fracasse de loin. Hop, hop. Ils sont assez pénibles ces vomito. Hop. Ok, donc comme je le disais tout à l'heure, là il y a un truc à franchir, on n'a pas la clé pour aller là. On va tout simplement retourner là-bas, en mode vitesse grand V, en perdant tous nos cœurs encore. C'est le principe d'Alundra, je vous l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Et il y a peut-être histoire d'avoir des herbes illimitées. Hop, pas de la vie apparemment. Hop, hop. Alors ça se trouve, ce que je fais, ça sert à rien parce qu'on ne va pas pouvoir y aller tout simplement. Mais, on va essayer parce que dans ce jeu, si on n'essaie pas les choses, on ne se rend pas forcément compte de où il faut aller et qu'est-ce qu'on doit faire. Hop. Alors bien sûr, là, je l'ai posé un peu. Concrètement, et sincèrement, je ne pense pas en fait qu'on puisse monter.
Je ne pense pas qu'on puisse monter tout simplement parce que c'est pas assez haut, ces bûches là. Surtout si on fait ça, ça ne nous monte pas assez. Alors du coup, on va essayer une dernière fois. Si ça marche pas, on fera cordialement un gros fuck à ce passage en haut. Alors là, on ne peut pas faire. Ouais, hein. Là c'est clair. On peut vraiment pas faire mieux niveau visage. Pas le mien, hein. Les visages de la visée. Niveau précision, on ne peut pas faire mieux. Ce sera mieux que visage. Donc, je pense concrètement que ce passage-là, ce sera pour plus tard. Hop, alors lui, on va pas lui pisser dessus comme tout à l'heure. On va juste récupérer la petite plante là. Tabernec, ça sera Spire. Et d'ailleurs, on va directement en user une. Hop, on reprend les bombuludato. Hop, on nage. Alors. Ici, on sait où c'est. Hop, Skivo. Hop, on sait qu'il faut utiliser le baril. Hop. Hop, hop. Hop, on va utiliser le baril pour aller là. Donc là, c'est pas cool de tomber, se faire dégueuler dessus. Alors ici, on a une tortue de merde. Oh là là, qui a rien de toucher quand même. C'est infâme, ces trucs. Coucou. Tiens, dans ta gueule, là. Marthe. Hop, hop, hop. On y va en mode, what the fuck, man. C'est passé, mais on a quand même perdu quelques cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on chope ici? Une clé. Ben voilà. C'est génialissime, ce jeu. C'est une tuerie. Alors, ici, on a un coffre, bien sûr, qu'on ne va pas rater, si possible. Des florins. Ok, c'est plutôt bien. On en a besoin, on a beaucoup de choses à acheter. Surtout, encore quelque chose que vous n'avez pas vu, ou peut-être que vous avez déjà vu en jouant à ce jeu. Le capitaine... Ah, c'est un petit spoil, en fait. Le capitaine n'est pas mort, en fait, du bateau. Il a ouvert une petite échoppe dans laquelle il vend un peu tout ce qu'il a récolté dans ses aventures à des prix plutôt exorbitants, du style un anneau ça vaut 10 000 florins. Là on voit qu'on en est vraiment très très loin. 10 000 florins, en fait, je sais même pas si c'est un troll du jeu, s'il y a un truc à faire, genre lui voler, on se crée des trucs comme ça. Hop, on va essayer de tout casser. Que dalle. Ok, ok, donc là on peut ouvrir, on entre. Lui, on essaie de le tuer avec ça. Génial. Hop, doublé. Oula, il y a beaucoup de mecs. Wow, doublé. My motherfuckers. Yeah, bitches. Ok, on a ça. Ok, on a une petite épreuve sur la durée, je pense. Je pense qu'on va avoir un certain temps pour réussir ce parcours. Ok, allez. En mode, hop, tu perds tous tes cœurs encore une fois. Allez, ouais. Oh shit, bro. Ok. On a perdu tous nos cœurs, mais on a réussi. Ce qui est plutôt cool. Cool. On récupère des petits florins, des petits cristaux de cœur, des cristaux de vie. Ah, mais là, en fait, on retombe là où on a périlleusement essayé tout à l'heure d'y aller. Ce qui est plutôt cool, ce qui nous enlève une épine du pied, parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec cet endroit. Hop, 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 hop. Merci, génial. Alors, ouf, l'infeu, j'ai un peu spotted qu'on pouvait détruire ça pour casser. Ok, donc si je touche, est-ce que ça m'enlève des cœurs? Non. Alors, il doit y avoir un moyen
Il doit falloir viser, peut-être, en quelque sorte. Cette boule nous sera peut-être utile. Oh my godness! Oh my godness! Hop! Vous voyez, regardez là. Clairement. Clairement, ah ben peut-être pas en fait, peut-être qu'on va juste utiliser ça. Non, alors là ce qu'il faut faire, alors, ces boules, ah. Ok, bon, je croyais qu'on pouvait les bouger. Ces boules là, il faut impérativement les envoyer dans une, enfin, la dernière là. Il faut impérativement l'envoyer dans une direction bien précise, afin de pouvoir simplement... pouvoir simplement monter sur la plateforme. Alors vous voyez, il y a un petit temps de latence entre le fait où je tape, que je casse le machin, et le fait que la boule va tout simplement dériver. Hop, on va essayer de pas se faire toucher. Alors approximativement maintenant, ok, c'est raté. Oh, c'est génial. On a réussi, ça devrait suffire. Cool. Double cool. Ça c'est très bien. Hop, hop, hop. On fait ça, 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 ça. C'est super. Tout s'emboîte. Ok, donc ça c'est des machins. On a une entrée ici qui nous... peut pas être ouverte pour l'instant, peut-être avec une bombe, peut-être pas. Ok, non, on a un pont avec un levier, on va pas activer le levier de suite, on sait jamais. Alors prison, ok, donc c'est une prison. Il y a un interrupteur ici, une porte là-haut et une sortie par ici. Ok, donc là il y a un petit point de sauvegarde. Alors ok, ça va être plutôt bien. Ok, donc là on peut pas y aller, on n'a pas de clé. Je vais arrêter de dire ok, ça sera cool. Ce qu'on va faire, on va aller là. On va prendre ça, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de magie en fait, les gens. Hop. On va sauvegarder un coup. Ok, donc on s'en fout. On est des ouf. Alors, on va déjà activer ce chose là. La porte de gauche. Je sais pas qu'est-ce que ça fait cet interrupteur là. Donc je préfère attendre pour l'instant. Ok, donc dans la prison, il y a des Golgoths que je vais tout faire péter. Hop, venez là, bande de cons. Je vous ai tous ragar. Hop, alors. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un faucon doré. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu. En même temps, ça fait un petit moment que j'ai pas stream. Hop. Stream, ça y est, je recommence avec ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais? J'avais totalement raison de pas activer cet interrupteur de mort. Hop. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Interrupteur de mort qui va me faire perdre des cœurs. Parce que je veux les attaquer, je suis obstiné. Voilà, comme vous avez vu, j'ai rien gagné, j'ai rien eu, j'ai eu que dalle. C'était totalement inutile. Allons par ici. Hop, toi, je t'ai vu. Parce que t'as la carapace qui a vieilli. On a ça. On va s'en servir pour kill ce machin chose. Oh. Hé hey, pourquoi il m'a touché là? Oh. Ce jeu fait de la discrimination.
Donc là, c'est assez difficile parce qu'il va falloir que je tape la boule de manière... tout simplement, il faut qu'il y en ait une qui en bas arrive ici et une qui en haut arrive là-bas, ok. Ça va être drôle ça. Bon, on va essayer tout de suite. Je pense que ça passe. Concrètement, sincèrement, je pense que ça passe. On va essayer. Ça peut passer. On va se mettre au maximum ici, de manière à ne pas avoir... Voilà, vous voyez, ça passe. Donc ça, c'est bon. La deuxième, concrètement, ça va être très difficile. Ouais. Bah écoute, allons-y. Tu veux pas me cracher dessus, toi? Non? Tu m'emmerdes, hein? Allez, montre-toi, petit coin. Coin, coin. T'as un nec, je t'ai buté, ta race, toi. J'adore l'accent québécois. Hop, alors, est-ce que c'est bien ici? Voilà. I'm a god, man. I'm a god, man. Scooby-Diggy-Diggy-Diggy-Diggy-Diggy-Diggy. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avant, là? Oh, avant, il n'y a pas à mourir, en fait. Ah! Oh my god! Ok, il y a un truc ici. En fait, il y a tous les endroits du monde où aller, là. Hein? Ok, donc on a ça. C'était GG, bien joué. Merci. Hasta la vista. En plus, c'est bien chiant. Alors, pour une fois, je vais m'autoriser un truc, je suis désolé. Pour le stream, on va utiliser la méthode du félin enragé. Alors, pour ceux qui se demandent, je ne me cure pas le nez, je me gratte à côté. Hop, parce que la moustache, ça gratte. Je ne suis pas un couchon. Hop, la petite sauvegarde. Non, on n'a rien vu. Si on tombe. Hop, on a la... What? Où est la clé alors? Où est la clé là? Ça doit être pour là alors. Mes remarques, c'est plutôt cool. Un élixir. Alors, fuck. Un élixir, c'est très bien. Parce que c'est très utile. Si jamais on meurt, ça nous ressuscite. Tout simplement alors. Ces pics, ça m'énerve. Ah ben la fin c'est là-bas. Oh là là là, je suis nul. Je suis nul, monsieur. Je ne veux point perdre de deux corps. Hop. Hop, Hagar. Alors, ouais, ça va être l'instant farming, là. Je suis désolé, mais... mes points de vie, ça commence à faire... Ça commence à faire bas. Et puis surtout... on a presque plus d'herbe, en fait, là. Il nous en reste 3. Il nous reste encore un élixir de mana. De mana, de force, qui nous redonne toute la vie, c'est ça, si je me souviens bien. On a ça qui nous redonne de la magie, on a ça qui nous redonne des deux. Voilà. On va passer par là. What the fuck, man?
Alors là, on profite du temps d'invincibilité. Nerve un peu de perdre des cœurs pour rien. Faut que j'aille en fait. On va ressortir et rentrer, ça se trouve on a cassé un truc qu'il ne fallait pas. Eux par contre ils me cassent quelque chose qu'il ne faut pas aussi. Concrètement là c'est... Ah, quoique. Il y a peut-être moyen d'essayer l'eau. On se met bien au bord. Il y a peut-être moyen de moyenner là. Alors j'ai réussi tellement j'étais vraiment au millimètre près à m'accrocher au bord là du bord quoi. Bora Bora. Si on oublie de sauter, on ne peut pas sauter. Alors concrètement, là. Et voilà, c'était ça. Donc là, il faut sauter ici. J'imagine que ce chose doit être ramené en bas. Sinon, pourquoi il y aurait un en bas? Voilà. Oh my gosh! Quelle grosse merde que je suis! Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de ressortir. On a tout placé déjà comme il faut. Hop, on a juste à refaire la manœuvre du loup enragé. Qui s'étend sur un arbre avec des poiriers. Je sais pas ce que j'invente là, mais... pas terrible. Oui, bah oui, bien sûr. C'était le moment. Pff, oh. En fait, ces pics, c'est l'enfer. C'est pire que le sida, quoi. C'est... Alors, attendez 2 secondes, je vous reprends. Et voilà, désolé, j'ai un coup de fil. Un coup de fil. Alors, toi, dégage. Hop, on va pas se faire perdre des cœurs encore plus qu'on ne perd. Ah ! J'ai failli. Hop. Oh non, mais c'est n'importe quoi. La physique dans ce jeu, c'est hallucinant. Hein. Les loots aussi, ils sont hallucinants. Hein. Alors, on va descendre. On se souvient, en bas, on avait besoin d'une clé. On a la clé. On a la lumière. On a la sono. Hop, hop, hop. 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 Du coup, je pense qu'il y aura sûrement un 3e épisode pour consacrer à ce temple. Alors là, c'est bon. Qu'est-ce qu'on gagne? Un vaisseau de vie. C'est génial. Ce jeu, c'est génial. Par contre, ouais... 30 ans. Hop.
tu n'as... Mais je m'en fous de ton coffre, là. Je vais juste casser ça, moi. Enfin, en plus, je m'en fous. Pourquoi je fais ça? Hein? Tu transportes trop de... Ah, ça, c'est bien dégoût. C'est bien le dégoût, ça. Ok. Ça. Ouf. Hop, on va faire ça. Oh! Ça. Hop. On s'est fait brain. On s'est fait brain de brain. Alors. Tac. Tac. Il faut sauter avant qu'il tombe dans un trou, là. Ça, c'est bon, là. Tintin, là. On va sauter ici. On va revenir ici. Là, on va attendre au maximum. Hop. Nous allons arriver au boss. À savoir que ce boss est très difficile. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai coupé la partie boss sur la vidéo parce que je me suis fait tout simplement massacrer. Voilà. Ok, alors c'est une tête, voilà. Et à des moments, elle sort de l'eau, et c'est à ce moment-là qu'on peut la taper. Elle fait sortir des mains, voilà. Faut absolument éviter de prendre des dégâts. Génial. En fait, faut rester le plus loin possible d'elle tant qu'elle ne sort pas. Voilà. Ça nous suit, ces trucs. Oh là là, je suis nul. Ok. Donc là, il me manque... Vous voyez les dégâts que je prends à chaque fois que les mains me touchent, c'est n'importe quoi. Oh là là, mais c'est infâme. Alors là, il y a ça. Ok. Génial. On va savoir qu'on a ceci qui nous redonne notre vie entièrement. Et on a ceci qui va nous redonner notre vie et du mana. Ok, donc il faut absolument éviter ces trucs. C'est une infamie. Ok, là il n'y a rien qui sort, génial. Ok. C'est compliqué. Oh là là, mais... d'ores et déjà pour prendre ceci, hein. Alors des fois il y a plein de mains qui sortent en même temps, en fait il faut arriver à se mettre à l'endroit où il n'y a pas de main. Ouh.
j'en suis. Ok, hop. Pour l'instant, on a 11 cœurs. Bien ça. Hihi. Ok, on esquive. Allez. Prends-toi ça dans la gaule. Hop. Oh là là. J'ai pas pu l'éviter. Alors il nous enlève 3 cœurs. Les mains nous enlèvent 3 cristaux de vie. Dans la merde. Oh là là. Nom de Dieu. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. En fait, si on le laisse trop longtemps dehors, bah il fait son truc là. Là ce qu'on va faire, on va prendre ça. Je me suis trompé, c'est ça. En fait si on le laisse trop longtemps dehors, il fait son attaque où il y a des mains de partout. Ça devient compliqué. Ok, super. Ah. Oh là 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 là. Oh mais c'est incroyable, hein. La difficulté de ce monstre, c'est infâme. Tout comme la gestion de... Oh là là. Oh. On va faire ça. Je pense que bientôt on va devoir utiliser ça. Donc, quitte à l'utiliser. Oh là là. Bon. Là. C'était notre dernière chance. Là, il n'y a plus rien, hein. Là, j'ai vraiment plus rien. Je suis au fond. Merci. Oh. Ouais, des fois, il le spam son truc là. C'est assez pénible. Purée de purée. Oh là là, mais... C'est n'importe quoi, hein. La difficulté de ce monstre, c'est... C'est impossible, c'est... C'est hallucinant. Bon, c'est peut-être moi qui est mauvais aussi, hein, je vous l'accorde. Mais... Quand même. Sans compter qu'il faut au moins 25 coups avant de le tuer, c'est... Ouf. Ouf.
putain. Allez, crève. Dai, Pedro. Là. Allez. C'est bon, ça. Allez, Pedro. Faut mourir. J'ai jamais essayé. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! J'avais réussi. Ah putain, il m'a touché deux fois alors que j'avais réussi à bien. Oh. Oh là 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 là. Quelle infamie ce boss! C'est horrible! Ouais, c'était super loin. Hop. Allez, mais crève. Oui, dégage. M'approche pas. Avec tes boules à la con là, c'est infâme. Avec ça aussi. Ok. Il me reste deux fois. Si je me fais toucher encore deux fois, c'est la fin. C'est vraiment limite limite là. C'est du n'importe quoi ce boss. Ouh, le guetteur dans l'eau a été vaincu. Ah. Ok. Libérateur, libérateur. L'homme à la boule. Ah ouais. Il était mort, je croyais, lui. Ah, c'est Vul. Ok. Donc c'est son frère. C'est toi le libérateur dans l'art, ça parie. Je sale le pouvoir qui te traverse. Je suis Vul, le landeste gardien. J'ai vu ton pouvoir et je pressens que tu seras un jour assez fort pour anéantir Melzas. Cependant, en attendant que ce jour arrive, tu ne peux pas prendre à la légère la menace que représentent les Murgues. Dans leur croisade pour établir un Melzas dans ce monde, ils ont déjà volé l'armoirie que tu recherches. Je te remets donc l'unique pouvoir que je peux encore transmettre, le pouvoir du rouleau d'eau. Certains bien. Libérateur, tu dois récupérer l'armoirie volée. Ok. Oh, fuck. Ce chemin pour retrouver le monde extérieur libérateur. Au revoir, Lulu. Procède de par étape afin de gagner la force nécessaire pour affronter Melzas. Ok. On n'a pas pu me donner un petit cristal de plus, par exemple, tu vois, au calme. Bon. On va finir ceci. Oh. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Le mec qui rote là. Vous allez voir qu'on va mourir maintenant. Ce serait bien fun ça. D'ailleurs, on va sauvegarder. Hop. Hello me. Hello. Ok. Oh merde. Ok, quand je dis qu'on a que dalle, c'est qu'on a vraiment que dalle. Hein. Hop, c'est la mort qui t'a assassiné. Hop. Ouch. Hop, des vaisseaux de vie. Tu as gagné un vaisseau de vie. Cool. Ok, bon. J'aurai 8 cœurs, enfin 8 cristaux, c'est pas mal. À droite là-bas on peut toujours pas aller. Là par contre on peut nager, vous voyez.
Par contre, dans les eaux vraiment très profondes, on peut pas. Hein. Voilà. Donc on va pouvoir récupérer le petit coffre. Bah celui-ci déjà en fait. Ah, il y en avait un autre aussi qu'on pouvait récupérer dans le dans la mine. Ça c'est bien chiant. En plus un truc de force là. Bon. Miaou 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 miaou. Qu'est-ce que ça fait si on va par là? Rien. Là-bas, il y a des turtles. Turtle Beach. Ok, on ne peut pas y aller. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au village. On va esquiver ça déjà. Hop. Hop. On va aller au village. On va juste aller dans cette maison pour voir s'il y a de l'évolution par rapport à son discours, lui. Là. Pourquoi es-tu venu? Ne dis pas que je suis pas d'humeur bavarde. Va-t'en. Ok. Non. Son discours n'a pas changé. Qui veut le vomi? Ah, c'est là. Le bar Riverside est ouvert. Les enfants ne sont pas acceptés. Il me semble que c'est là où il y a les... Non? Ah non, c'est pas là. Toi là, je sais que t'as une porte derrière toi. Eh oui. Je le sais qu'il y a une porte derrière toi. Arrête de me la faire à l'envers. Allez. Ah, ça c'est bien ça. Ok, donc nous arrivons au village, donc c'est le moment de nous laisser. Je vous dis à la prochaine vidéo pour le prochain donjon, peut-être, qui sait. Et n'hésitez pas à commenter, aimer, vous abonner sur ma chaîne YouTube. Dans la description, vous avez ma page Facebook. N'hésitez pas aussi à y jeter un coup d'œil, à liker la page. Sachez aussi qu'en ce moment, on a le concours. Enfin, bon. Il y a le concours pour gagner une clé bêta Hero of the Storm. Et encore d'actualité. Donc, n'hésitez pas à regarder la vidéo en rapport à ce concours que j'organise. Pour connaître les modalités, comment participer et tout, en fait c'est pas compliqué. Vous l'avez sur ma page Facebook aussi. Donc voilà. Je vous dis à bientôt.